Dans la nuit du 2 au 3 mai 1994, alors que la police de Hanoï tente d'interrompre une course de moto, la situation tourne au vinaigre. Les flics se retrouvent sous des jets de pierres et de bouteilles. 9 d'entre eux sont blessés. 70 supporters sont interpellés et à la fin du mois, deux coureurs sont condamnés à 22 mois de prison pour désordre sur la voie publique. La police est désormais dotée de moyens d'intervention, motocyclettes, gilets pare-balles, casques renforcés, bâtons électriques pour combattre les fléaux sociaux. Les jours fériés, Mad Max se retrouve ainsi en première ligne et contribue à calmer le jeu. En outre, la mode passe et les jeunes commencent à traîner dans les cafés internet, fascinés par des jeux vidéo, surtout chinois. Aujourd'hui, l'intérêt de la jeunesse hanoïenne se reporte sur le pop, la musique, le cinéma sud-coréen ou japonais. Des modes, juge Nguyen Viet Ha, qui ne se gravent pas dans la mémoire. Dans 5 ans, ils auront oublié. Le seul parfum qui reste est celui des fleurs de lait. Nguyen Huy Thiep en a très bien parlé. Les fleurs de lait, ou Ho Ha Soa, fleurs blanches en grappe, sont la marque de Hanoï. Elles s'épanouissent en automne, saison des amours, dégageant un parfum assez fort, surtout de nuit. Quand j'étais jeune, raconte l'historien Dao Hung, cette odeur couvrait les rues Quang Trang et Nguyen Du, où j'habitais. Elles ont disparu et je ne m'en plains pas parce que j'y suis allergique. Ces deux rues bordent dans le centre le petit lac de Tien Quang, lequel jouxte le jardin qui entoure une pièce d'eau nettement plus importante, le lac BMO. En réalité, il reste quelques grands arbres à fleurs de lait sur les trottoirs de ces rues. On en aperçoit également, mais de taille plus modeste, sur les berges du Hotai. Au sein d'une société qui verse facilement dans le romantisme, les fleurs de lait restent au cœur des chansons populaires hanoïennes. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1994, alors que la police de Hanoï tente d'interrompre une course de moto, la situation tourne au vinaigre. Les flics se retrouvent sous des jets de pierres et de bouteilles. 9 d'entre eux sont blessés. 70 supporters sont interpellés et à la fin du mois, deux coureurs sont condamnés à 22 mois de prison pour désordre sur la voie publique. La police est désormais dotée de moyens d'intervention, motocyclettes, gilets pare-balles, casques renforcés, bâtons électriques pour combattre les fléaux sociaux. Les jours fériés, Mad Max se retrouve ainsi en première ligne et contribue à calmer le jeu. En outre, la mode passe et les jeunes commencent à traîner les internets. Aujourd'hui, l'internet se reporte. Dans 5 ans, ils auront oublié. Le seul parfum qui reste est celui des fleurs de lait. Nguyen Huy Thiep en a très bien parlé. Les fleurs de lait, ou Ho Ha Soa, fleurs blanches en grappe, sont la marque de Hanoï. Elles s'épanouissent en automne, saison des amours, dégageant un parfum assez fort, surtout de nuit. Quand j'étais jeune, raconte l'historien Dao Hung, cette odeur couvrait les rues Quang Trung et Nyungen Du, où j'habitais. Elles ont disparu et je ne m'en plains pas parce que je suis allergique. Ces deux rues bordent dans le centre le petit lac de Tien Quang, lequel jouxte le jardin qui entoure une pièce d'eau nettement plus importante, le lac BMO. En réalité, il reste quelques grands arbres à fleurs de lait sur les trois petites rues. Et de taille plus modeste sur les berges du Hotai. Au sein d'une société qui verse facilement dans le romantisme, les fleurs de lait restent au cœur des chansons populaires hanoïennes. L'ouverture du Vietnam à la fin des années 1980 introduit de nouvelles donnes, suggère de nouveaux équilibres. En 1989, les dernières troupes vietnamiennes se retirent du Cambodge. Les canons se taisent sur la frontière sino-vietnamienne. L'ouverture du Vietnam à la fin des années 1980 introduit de nouvelles donnes, suggère de nouveaux équilibres. En 1989, les dernières troupes vietnamiennes se retirent du Cambodge. Les canons se taisent sur la frontière sino-vietnamienne. Le Vietnam renoue avec le monde et entre dans une période de paix durable, puisqu'elle a déjà tenu 2 décennies.
Le Vietnam renoue avec le monde et entre dans une période de paix durable, puisqu'elle a déjà tenu deux décennies. Avant 1975, dans le sud, les grands écrivains étaient originaires du nord. Après la guerre, Hanoï connaît une éclosion de grandes plumes. Avant 1975, dans le sud, les grands écrivains étaient originaires du nord. Après la guerre, Hanoï connaît une éclosion de grandes plumes. Nguyen Huy Thiep, Pham Thi Hoai, Duong Thu Hong, Bao Ninh, Nguyen Viet Ha, dont certains des écrits sont traduits et commencent à être reconnus à l'étranger. Nguyen Huy Thiep, Pham Thi Hoai, Duong Thu Hong, Bao Ninh, Nguyen Viet Ha, dont certains des écrits sont traduits et commencent à être reconnus à l'étranger. Opportuniste, n'ayant subi l'économie socialiste que pendant 10 ans, le temps qu'elle s'effondre, Saïgon s'enrichit vite, ce qui veut dire à la fois afflux d'argent et de public, loin du pouvoir, encore plus loin de la pesanteur de la Chine, si sensible à Hanoï. Il n'y a plus de monopole. Opportuniste, n'ayant subi l'économie socialiste que pendant 10 ans, le temps qu'elle s'effondre, Saïgon s'enrichit vite, ce qui veut dire à la fois afflux d'argent et de public, loin du pouvoir, encore plus loin de la pesanteur de la Chine si sensible à Hanoï. Il n'y a plus de monopole. En 1994, les États-Unis lèvent leur embargo économique et l'année suivante établissent des relations diplomatiques avec ceux qui les ont battus. Le Vietnam, de son côté, intègre au même moment l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, le club formé en 1967 par ses anciens adversaires. Quelques années plus tard, il rejoint l'Organisation mondiale du commerce. La boucle est bouclée, le Vietnam se retrouve de plein pied dans la société internationale, avec les contraintes attenantes, un cadre juridique différent, de nouvelles règles de jeu. L'eau est fraîche. En 1989, les dernières troupes vietnamiennes se retirent du Cambodge. Les canons se taisent sur la frontière sino-vietnamienne. Le Vietnam renoue avec le monde et entre dans une période de paix durable, puisqu'elle a déjà tenu 2 décennies. Avant 1975, dans le sud, les grands écrivains étaient originaires du nord. Après la guerre, Hanoï connaît une éclosion de grandes plumes. Nguyen Huy Thiep, Pham Thi Hoai, Duong Thu Hong, Bao Ninh, Nguyen Viet Ha, dont certains des écrits sont traduits et commencent à être reconnus à l'étranger. Nguyen Huy Thiep, Pham Thi Hoai, Duong Thu Hong, Bao Ninh, Nguyen Viet Ha, dont certains des écrits sont traduits et commencent à être reconnus à l'étranger. Opportuniste, n'ayant subi l'économie socialiste que pendant 10 ans, le temps qu'elle s'effondre, Saïgon s'enrichit vite, ce qui veut dire à la fois afflux d'argent et de public, loin du pouvoir, encore plus loin de la pesanteur de la Chine, si sensible à Hanoï. Saïgon s'enrichit vite, ce qui veut dire à la fois afflux d'argent et de public,
loin du pouvoir, encore plus loin de la pesanteur de la Chine, si sensible à Hanoï. Il n'y a plus de monopole. En 1994, les États-Unis lèvent leur embargo économique et l'année suivante établissent des relations diplomatiques avec ceux qui les ont battus. Il n'y a plus de monopole. En 1994, les États-Unis lèvent leur embargo économique et l'année suivante établissent des relations diplomatiques avec ceux qui les ont battus. Le Vietnam, de son côté, intègre au même moment l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, le club formé en 1967 par ses anciens adversaires. Le Vietnam, de son côté, intègre au même moment l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, le club formé en 1967 par ses anciens adversaires. Quelques années plus tard, il rejoint l'Organisation mondiale du commerce. La boucle est bouclée, le Vietnam se retrouve de plein pied dans la société internationale, avec les contraintes attenantes, un cadre juridique différent, de nouvelles règles de jeu, l'eau est fraîche. Quelques années plus tard, il rejoint l'Organisation mondiale du commerce. La boucle est bouclée. Le Vietnam se retrouve de plein pied dans la société internationale, avec les contraintes attenantes, un cadre juridique différent, de nouvelles règles de jeu, l'eau est fraîche.